quand arriva le jour fixé par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi, tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi présenter en offrande le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou deux petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. L'Esprit lui avait révélé qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Messie du Seigneur. Poussé par l'Esprit, Siméon vint au temple. Les parents y entraient avec l'enfant Jésus pour accomplir les rites de la loi qui le concernait. Siméon prit l'enfant dans ses bras. Il bénit Dieu en disant, « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations païennes et gloire d'Israël, ton Père. » Acclamons la parole de beaucoup de gens
n'ont plus d'attache fixe. Bien sûr, ils savent où ils habitent, mais ils ignorent à quelle paroisse ils appartiennent. Leur lien à l'Église est relâché, et parfois d'ailleurs n'a jamais existé. Mais un certain nombre ne sont pas sans question, sans attente secrète, sans aspiration spirituelle. Et il suffit parfois de la participation à un pèlerinage, d'une visite en simple touriste pour qu'un contact se fasse, pour que quelque chose touche les cœurs, pour qu'une conversion se noue et qu'une confession parfois se fasse. Que de témoignages en ce sens n'ai-je pas recueilli à Lourdes ou à la Salette. Si nos sanctuaires sont pensés et animés comme des lieux d'accueil, d'écoute, de ferveur et de soutien spirituel, ils pourront être de merveilleux lieux de rencontre évangélique. Ils seront semblables à tous ces lieux de l'Évangile où se joue une rencontre avec ce grand marcheur, c'est-à-dire ce grand itinérant qu'est le Christ. La barque sur le lac, le puits de Jacob, la maison de Lazare ou celle de Simon. Après la rencontre, chacun reprend la route, mais transformé, éclairé, habité par une flamme nouvelle. C'est là aussi la mission d'un sanctuaire, la grâce d'un pèlerinage. Mais je pense aussi que les sanctuaires sont des lieux où s'expérimente la foi et la confiance en Dieu. Pour beaucoup de nos contemporains, la foi en Dieu n'est pas évidente. Dieu ne fait plus partie de l'horizon indiscuté de notre société, comme il a pu en faire partie à certaines époques, où presque tout le monde était croyant, ou bien comme c'est encore le cas dans certaines régions du monde. Autour de nous, nous le voyons, les jeunes prennent des distances par rapport à l'éducation religieuse qu'ils ont reçue. D'autres n'ont rien reçu. Dieu devient alors plus problématique, plus lointain, plus abstrait, et pour beaucoup, le désert spirituel s'installe. Dans la société de consommation qui est la nôtre, le désir de consommer toujours plus prend la place de la soif de Dieu. Comme dit le prophète Jérémie, ils ont abandonné le Seigneur, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne tiennent pas. Et c'est là que s'offrent à tous les lieux spirituels, les sanctuaires, comme celui de Verbelée, qui se présente comme autant de petites oasis de la grâce, où on peut venir se désaltérer à la source d'eau vive, se retremper dans la présence de Dieu, prendre conscience que l'homme ne vit pas que de pain et qu'il a une profondeur d'existence à retrouver. Je crois que les sanctuaires et les sanctuaires mariaux, en particulier, nous font goûter la grâce dont a bénéficié la Vierge Marie. Une grâce de foi, une grâce de confiance, de remise de tout nous-mêmes entre les mains de Dieu. Sur la croix, Jésus confie à sa mère le disciple bien-aimé. Femme, voici ton fils. Et Marie comprend qu'elle est appelée à être la mère de tous les disciples de son fils, qu'elle doit veiller au lent engendrement des croyants dans la foi, qu'elle doit aider à la naissance et à la croissance du croyant en chacun d'entre nous. Les sanctuaires ont vraiment, je crois, une grâce d'engendrement et d'assurance des chrétiens dans la foi. Enfin, je dirais que les sanctuaires sont des lieux où s'éprouvent la compassion et la miséricorde.
Autour de nous, beaucoup de personnes vivent des épreuves, des choses lourdes à porter, des ennuis de santé, des souffrances affectives, des séparations, le chômage, des dépressions, des problèmes personnels. La vie n'est pas facile et le fardeau à certains jours, pour certains, est lourd à porter. Je crois que c'est vraiment une grâce du Seigneur qu'avoir des lieux où on peut momentanément déposer son paquet, se confier à celui qui nous dit dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui peinez, ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et mon fardeau léger. » Dans un sanctuaire marial, c'est la Vierge qui est la servante de cette invitation du Seigneur. Elle est cette mère attentive qui nous accueille et nous conduit à son Fils. Elle peut compatir à nos épreuves parce qu'elle est elle-même passée par là. N'avez-vous pas entendu dans la bouche du vieillard Siméon cette parole prophétique ? Et toi-même, ton cœur sera transpercé par le glaive. On comprend qu'ici, à Verdelais, on ait pu donner à la Vierge Marie le beau nom de consolatrice des affligés. Les nombreux ex-voto offerts à cette basilique témoignent de toutes ces prières confiées à Marie, ainsi que de ses grâces obtenues. Oui, les sanctuaires sont des lieux où se découvre et s'expérimente la compassion et la miséricorde. Je crois que nous en aurons demain besoin plus que jamais. Frères et sœurs, que cette année du 9e centenaire soit, en particulier pour notre diocèse, pour toutes les communautés de notre diocèse, l'occasion de redécouvrir la grâce de Notre-Dame de Verdelais, de l'accueillir avec confiance et d'en témoigner avec joie.